Bonjour, alors dans ce tutoriel, je vais vous parler d'un domaine qui revient très peu souvent dans les tutoriels Blender, qui est l'éditeur de texte dans Blender. Donc oui, il y a un éditeur de texte dans Blender, comme il y a un éditeur d'image. Je vais vous le montrer tout de suite. Donc ici, nous avons la vue 3D. Je vais à gauche, en bas ici, je clique sur le cube et je clique sur Text Editor. Et là, vous voyez que toute la fenêtre 3D en fait est devenue un énorme rectangle gris. Cet énorme rectangle gris est un éditeur de texte. Comme vous pouvez le voir, mon pointeur est devenu un curseur justement de traitement de texte. Mais vous voyez que si je clique ici, même si j'essaie de taper du texte, ça ne fonctionne pas. C'est normal, il faut cliquer ici sur plus New pour créer un nouveau document texte. Il y a beaucoup de boutons comme ça dans Blender où il y a plus New. Par exemple, vous allez dans... il y a déjà un matériau de créer, mais par exemple ici, vous cliquez sur une nouvelle texture, vous voyez qu'il y a un bouton plus New. Ça, à chaque fois, c'est pour rajouter un nouvel élément. Par exemple, ici, pour ajouter une nouvelle texture ou pour ajouter un. Donc, ici, c'est un mauvais exemple puisque pour les particules, il y a seulement un bouton plus. Hein. Il n'y a pas un bouton plus New. Mais par exemple, ici, si nous allons dans les sub-body, bon, là, il suffit de cliquer sur le bouton. Mais en général, là c'est bon, c'est Add Modifier. Ça dépend. Mais comme pour les textures et puis pour les matériaux, si j'avais pas créé un matériau ici, par exemple, si je l'enlève, il y a un bouton plus New. Donc on va cliquer sur le bouton plus, un plus blanc New. Et là vous voyez qu'un fichier texte s'est créé, vous pouvez le nommer. Donc moi je vais mettre test texte. Et vous voyez qu'un petit curseur rouge est apparu. Et maintenant, nous avons la possibilité de taper du texte. J'en profite pour faire un peu de pub pour mon blog, ça ne paye, ça ne coûte rien. Donc http://www.blender-du6-3d.fr. Voilà pour le premier texte. Vous voyez que c'est comme un traitement de texte classique, hein. Vous appuyez sur Entrée, vous retapez du texte, vous appuyez sur Entrée, vous retapez du texte, très simplement. Donc ici, nous allons voir maintenant les possibilités que donne cet éditeur de texte. Hein. Donc Run Script, ça permet d'ouvrir en fait comment dire, d'exécuter un script qu'on pourrait taper ici en langage de programmation. Le langage de programmation de Blender étant un langage qui s'appelle le langage Python, qui n'est pas un langage exclusif à Blender, hein. C'est utilisé dans la programmation, pour créer des jeux vidéo, pour créer plusieurs choses. Hein. Bon, c'est pas le langage de programmation le plus connu, mais il a l'avantage d'être simple. Hein. Bon, faut quand même l'apprendre. Hein. Et donc, je vais vous montrer un exemple de script Python tout de suite. Nous allons aller dans Template. Template, donc c'est des scripts Python déjà prêts pour Blender, en fonction des catégories. Par exemple, ici, si vous voulez créer un panneau dans Blender, il faudrait cliquer ici. Et cela génère un script qui rajoutera un panneau dans Blender. Hein, vous voyez, donc le script est en anglais, il ressemble à peu près à ça, import bpy. Donc ça veut dire, bon, je ne me connais pas encore trop en Blender Python, mais je vais bosser dessus justement pour bien m'y connaître. Ça veut dire qu'on ouvre en fait, qu'on démarre le programme en Python avec Blender, le Blender Python. Et après, il y a différentes choses. On ouvre un panneau. Vous voyez, c'est un langage de programmation. Vous avez plusieurs templates hein, en fonction de ce que vous voulez créer. Donc, bien sûr, ça c'est une template de base. Hein. Si vous la générez, ça produira aucun résultat ou un résultat, ça créera qu'un petit panneau avec rien. Donc, si vous voulez rajouter des choses, il faut comprendre le fonctionnement de la template et s'il y a sûrement des choses à rajouter à l'intérieur. Hein. Je peux pas vous dire, je ne connais pas encore trop le langage Python. Je vais y travailler puisque je projette de créer des add-ons dans Blender, souvent des petits programmes qui vont permettre de faciliter l'utilisation de Blender. Donc j'utiliserai cette plateforme pour le faire. Mais vous pouvez aussi bien générer du texte pour vous. Hein. Moi je pense par exemple ici. Par exemple, vous avez votre vue 3D. Vous ne vous servez pas de l'outliner ici. Donc vous transformez l'outliner, mettons, en text editor. Vous ajoutez, bon, c'est un peu petit, hein, mais
pouvez vous décaler comme ça, vous ajoutez un nouveau texte editor, et par exemple vous pouvez noter les raccourcis clavier pour pas les oublier. Par exemple Shift plus A, ça veut dire ajouter un objet. Ou si vous faites des tutoriels comme moi, c'est vrai que je l'utilise très peu, mais je pense l'utiliser à l'avenir. Si je fais un tutoriel sur un sujet particulier, je mettrai toutes les étapes. Par exemple, je mettrai étape 1. Là, j'ai appuyé sur le bouton de recherche sans faire exprès. Par exemple, je mettrai étape 1, supprimer le cube. Étape 2, ajouter une sphère, une UV sphère. On peut mettre des accents aussi. Hein. Voilà. Donc comme ceci, ben, comme ça, j'aurai toutes les étapes. Et ben, ça permet d'oublier, de rien oublier quand on fait quelque chose. On a la procédure ici. Étape 1, je fais ci. Étape 2, je fais ça. Et à la fin, ben, ça vous permet de réaliser très rapidement une scène. Hein. Vous pouvez vous créer d'ailleurs des procédures comme ça à suivre étape par étape. Et ça vous permettra d'aller beaucoup plus vite dans vos réalisations. Hein. Et même, encore mieux que les procédures, vous créez des fichiers. En fait, où vous avez déjà une base, par exemple un personnage de base, et bah, vous pouvez le retrouver quand vous voulez. Donc, je vais revenir à mon éditeur de texte. Donc, je vais le mettre en plus grand, je vais le mettre ici. Et nous allons voir une dernière chose dans cet éditeur de texte. Donc, bien sûr, il y a beaucoup d'autres fonctions, mais bon, elles n'ont pas beaucoup d'utilité, sauf si vous programmez. Mais bon, là, j'utilise l'éditeur de texte pas forcément dans une. Dans une optique de programmation. Donc, je vais mettre une template hein, quand même, mais bon, c'est pour vous illustrer un exemple. Ici, je vais aller dans format, dans edit, pardon, et je vais aller dans texte tout 3D object, donc ça veut dire texte vers un objet 3D. Et là, cette fonction va permettre de transformer le texte qu'on a ici à l'écran en objet 3D dans la vue 3D. Hein. Donc ça peut être assez intéressant. Par exemple, vous avez juste à taper un texte et vous pouvez le transformer en objet dans la vue 3D. Hein. Attention, pas forcément un objet 3D puisque lorsque vous allez le générer, ce sera un objet plat. Hein. Donc vous pouvez mettre tout ce texte-là en un seul objet ou un objet par ligne. Bon, je vous conseille, quand vous avez un texte en plusieurs lignes, de faire un objet par ligne, comme ça vous avez la possibilité de modifier chaque ligne. Donc on va faire un objet par ligne. Voilà. Bon, on a l'impression qu'il ne s'est rien passé, mais en allant dans la vue 3D ici, donc on clique ici et on repasse dans la vue 3D. Donc on reclique, on était ici, on reclique sur le cube 3D vue, la vue 3D, et nous voyons que tout le texte de notre programmation est apparu. Hein. Et bah, comme je l'ai dit, j'aurais fait qu'un seul objet, j'aurais cliqué ici, ça aurait tout sélectionné d'un seul coup, mais là j'ai choisi ligne par ligne, donc chaque ligne est un objet. Et bah, après, ce texte est modifiable comme un texte que nous rajouterions avec l'outil d'ajout texte classique ici. Par exemple, là, je pourrais rajouter du texte. Donc ce texte est entièrement modifiable, donc il vous suffit d'aller ici, de cliquer sur le petit F, et par exemple vous pouvez lui rajouter de l'extrusion, vous voyez, rajouter de l'épaisseur au texte. Vous pouvez lui rajouter un peu de résolution pour le préciser un peu le texte, hein, pour rajouter un peu de bevel, vous voyez, hein. Comme ceci, hein. Pas trop non plus, hein, mais pour le rendre un peu plus... un peu moins angulaire, un peu plus avec un peu plus de forme, un peu plus de courbe. Vous pouvez augmenter la résolution hein, pour le rendre un peu plus net, augmenter l'extrusion hein, toujours, et augmenter ou diminuer l'offset, donc ça veut dire comme vous le voyez, de modifier le tour de l'objet, l'entourement de l'objet. Voilà, bah ça va être tout pour ce petit tutoriel sur l'éditeur de texte de Blender, hein, sur les bases de l'éditeur de texte avec Blender. Donc bah, je pense potasser un peu la programmation et peut-être vous faire des tutoriels sur la programmation, sur la façon de créer des add-ons dans Blender, ou alors de vous fournir directement des add-ons que j'aurais créés par moi-même. À très bientôt !